Oh mon Dieu, mais arrête de me regarder comme ça. J'ai une personne comme les autres. On dirait que t'as jamais vu ça de ta vie. Excuse-moi, là. C'est pour ça que je suis ici. J'ai gros de la misère à gérer la célébrité. J'aimerais tellement ça, des fois, passer inaperçu. Excuse-moi, je te replace pas, je t'ai jamais vu. Quoi, tu me reconnais pas? Non. Natacha Q, évincée du condo. C'est quoi? J'étais squatteuse. J'étais dans l'émission de télé-réalité Squat ta vie. Le problème, c'est que je suis sortie la première, puis depuis que je suis revenue dans le monde normal, tout le monde n'arrête pas de me regarder. Ah, puis ça, t'aimes pas ça? Ben, c'est pas évident de dealer avec ça, je te dirais. Tu faisais quoi dans la vie avant? J'étais barmaid dans un bar à Saint-Jérôme. Puis là, tu fais quoi? Ben là, je suis retournée là-bas, là. Ça faisait quand même 7 ans que je travaillais là. Sauf que c'est pas toujours facile de rester concentré, là, avec tout le monde qui me reconnaît pis tout, tu sais. C'est ça. Tu sais. Parce que si je comprends bien, toi, là, t'es retourné à travailler à Saint-Jérôme, dans le bar que tu travaillais depuis 7 ans à Saint-Jérôme, puis là, t'es tanné de te faire reconnaître à Saint-Jérôme par le monde de Saint-Jérôme. Oui. Tu sais, moi, je voulais pas que ça bouleverse ma vie. Je suis une fille timide. Souriante, authentique. Qui a un bon sens de l'humour aussi. Une bonne hygiène. Puis je cherchais un gars vrai. Qui sait apprécier les choses simples de la vie. Il faudrait juste être une personne normale, comme tout le monde. Ben oui, avec une vie normale, de barmaid normale. À quatre pattes sur un bar normal, à se faire vider de la vodka normale dans un crack normal. Ça, c'est une fausse croyance, hein? C'est pas parce que je suis à l'aise avec mon corps que je suis nécessairement une salope. J'aime tellement ça, là, dès que tu te frottes plus que 5 minutes sur un gars, il pense qu'il peut coucher avec toi. Puis en plus, si t'as le malheur de te pogner un peu les seins, là, pendant que tu touches tes orteils... Allô, c'est parce qu'on danse! C'est de l'art. C'est une façon de laisser son corps s'exprimer. Toi, dans le fond, t'es une artiste incompris. Oui. Probablement qu'on va juste comprendre ton œuvre après ta mort. Après t'avoir trouvé dans un container défoncé sur le GHB. Mais voyons. Non, non! C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Si tu veux vraiment être une artiste, une vraie, il faut que tu crées dans la souffrance. T'as trop de fun à ton bar de Saint-Jérôme, là. C'est fini, ça, le fun. Si tu veux être une vraie artiste, ça te prend des démons. Ça serait pas facile. Les plus tripants ont tous été utilisés, là. Tu sais, comme problème d'alcool, de drogue, d'automutilation. Charlie Sheen vous a brûlé ça bien raide. Mais t'es chanceuse. T'es super chanceuse. Parce qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui est super hot, puis que personne n'a fait encore ici au Québec, tu pourrais être la première. Rebirth. Rebirth? Rebirth. C'est quoi ça? Ça veut dire renaissance. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas disparaître de la map complètement. Et puis là, tu vas réapparaître, tu vas renaître des ténèbres. On va te réaccoucher, te rebirther. Avec une image complètement différente. On va te changer au complet. Tu vas revenir avec un nouveau look, nouvelle personnalité, nouvelle valeur. Ça va fonctionner. Comment je fais ça? Premièrement, il faut que tu prennes 100 livres. Non, non, je veux que tu manges comme une truie. Toi, de ton personnage, je le vois, là, ça va être la toutoune avec les beaux yeux. Ça marche tout le temps, ça. Ça va être écœurant. Non, non, je te le dis. Je parle pas d'une grosse, grosse. Je parle d'une grosse. Je veux que tu y ailles pour la grosse, grosse. Je veux que tu manges comme céréales des Doritos le matin avec du lait. Au début, ça va être tough, je le sais, tu vas trouver ça tough, mais il faut que tu t'accroches, faut pas que tu lâches. Je veux te voir te battre dans un parking de McDonald's avec des mouettes pour un restant de frites. Je veux que tu soignes du gravy, que tu aies de la friture dans les cheveux. Puis ce que je dis a beaucoup de sens. Est-ce que tu as lu les magazines féminins dernièrement? Ceux que tu n'es pas dedans, je parle. Non. On parle toujours de symétrie. Y a-tu quelque chose de plus symétrique qu'une petite bonne femme qui est aussi large que haute? Tu vas avoir l'air d'une petite tingue à eau chaude. Mais là, je sais pas si j'ai vraiment envie de devenir grosse. Mais voyons donc, t'es bien cruche, toi, je te le dis que c'est ça qu'il faut que tu fasses. T'es tanné que le monde te regarde. En plus, dans quelques livres d'ici, là, toi, tu vas pouvoir t'habiller chez Dolorama. Ça va te faire plein d'argent. Puis des affaires écœurantes chez Dolorama. Petit legging turquoise avec un t-shirt rose avec un chat dessus. Puis en plus, le rose, ça fait avec tout. J'ai vu un autre paire de leggings. Ça pourrait être tes leggings propres quand tu vas sortir, là. Les gris chignés.
Puis là, je te vois, t'as un top de léopard. Là. Quand tu vas être un petit peu plus grosse, là, n'importe quoi que tu vas porter qui va faire référence à un animal, les gars vont te ramener sur le haut de char. T'es tanné que les gars couchent avec toi pour ton corps. À partir de maintenant, ils vont coucher avec toi pour une nouvelle raison. Les gageures. Mais là, ça va nuire à ma job. Une barmaid pas sexy, là, ça tire pas les clients. J'ai plus de type, puis j'en fais bien moins d'argent. T'es bien cruche. Tu fais ça exprès? C'est le contraire. Ça va marcher au bout. Tu vas sortir des standards. Parce que quand tu vas être grosse, tu vas avoir plein d'avantages que les autres n'ont pas. Premièrement, tu vas pouvoir choisir les chiffres du midi que tu veux. Puis en plus, quand le chiffre du midi va être fini pour relaxer tes chevilles, tu vas pouvoir manger le restant des clients, là, deux assiettes, assis tranquille dans la plonge, en attendant ton chiffre du soir. Puis le soir, c'est là que tu vas éclore. Le soir, tu vas tout casser dans le bar. Une shooter girl de 300 livres, c'est écœurant. Premièrement, t'as spot partout dans le bar quand t'as soif. Deuxièmement, tu vas pouvoir traîner beaucoup plus de bouteilles avec ta ceinture, là. Tu vas pouvoir quasiment mettre le petit bar au complet autour de toi, là. Tu vas t'emmener comme une petite mule avec tes bouteilles, là. Puis quand tu vas faire des body shots, là, dans ton nombril, il va rentrer des shots de 6 onces. Le gars en boit une, il a pas le droit de conduire, il est pogné avec toi. Si un gars veut coucher avec toi, il va falloir qu'il boit bien plus pour être game. Ça va être bon pour toi, ça. On l'a trouvé, là. Ouais, je suis pas sûre, là, mais en même temps, ça a du bon. C'est une démarche artistique, faut l'essayer. Il y a pas d'orgueil dans la création. Exactement. Fait qu'on s'en va dans 2 mois. Ouais. C'est tout? T'es-tu gay? Non, mais je me respecte. Ah ouais, va manger!